J'ai trouvé à la bibliothèque le livre Le premier printemps des éditions. Mémo. Anne Crozaz. Regarde, petite fille, comme tout devient vert. C'est le printemps. Et le printemps, ça sent si bon. En fermant les yeux, tu entends mieux les merles chanter. C'est leur saison préférée. Et lorsqu'une petite créature vient se poser sur ta peau, elle te chatouille. C'est quoi ? Une coccinelle. Oui. C'est le moment d'aller goûter les cerises. Sont-elles aussi sucrées qu'au printemps dernier ? Regarde, les lucioles répondent aux étoiles filantes. L'été est arrivé. Des odeurs nouvelles se mélangent dans le potager. La tomate et le basilic, la verveine et la menthe. Entends-tu ce bruit ? L'année dernière, il te faisait peur. Maintenant, tu reconnais bien le grondement de l'orage d'été. Mais tu avais oublié combien l'air peut être chaud et l'eau glacée. Parfois, l'été a aussi le goût du sable dans la bouche. Les couleurs ont changé, petite fille. Et voici déjà l'automne. Regarde le vent qui emporte les fourmis. Les graines aussi vont se cacher. Suivons-les. Goûte aux premières mûres sucrées et acides à la fois. Dans la forêt, ça sent la mousse, les champignons et la terre mouillée. Et quand on saute dans les feuilles mortes, ça craque sous les pieds. Dans la maison des châtaignes, c'est tout doux. Mais attention, Raymond, ça pique aussi par ici. Le brouillard est si épais qu'on ne voit presque plus le pommier. C'est l'hiver. L'air sent bon le feu de bois. On dirait que la fumée parle aux nuages. Écoute le silence de la neige. Tes petites mains doivent être glacées. J'aimerais te les réchauffer. Mais toi, tu ne sens que le goût des flocons dans ta bouche. Et un jour, petite fille, quand les fleurs commencent à percer la neige, on croit voir arriver le printemps. Bon anniversaire, grande fille. C'était le livre Le premier printemps des éditions Mémo. Mémo. Voilà.